Bonjour tout le monde, c'est NatNat, on se retrouve aujourd'hui pour continuer Donkey Kong sur Nintendo 64. Dans le premier épisode, on avait commencé le premier niveau, logique. Et on avait libéré Diddy. Donc là, on va continuer. On voit ces bananes rouges là, qu'on ne peut pas prendre avec Donkey. Logique, encore une fois. Pas comme moi. Donc là, dans cet épisode, je compte un peu avancer dans le premier niveau. Et découvrir un peu les grottes, les cavernes qu'on avait débloquées la dernière fois. Mais il fait mal lui. Méchant. C'est quoi ça? On dirait un tableau. Mais ça fait vraiment mal si c'est dégueu. Ah, je peux pas le prendre. Ok, j'adore. J'aimerais bien voir. Ouais. Super, y'a une guêpe. Ah, pas ça, je sais pas pour qui c'est. Bon, normalement on pourrait passer entre les barreaux, mais là on peut pas. Donc, on s'en va. Oh non, il respawn. Cet enfoiré. Ah, mais lui aussi, il est relâ. Putain, ils sont chiants. Hein. Attends, là, je croyais qu'il y avait un truc. Ah ouais, c'est ça. Il y a un ballon. Raté. Je ne suis vraiment pas doué. Merci. Et les bananes, ça sert à quoi? Non, parce que c'est pas comme si je savais pas à quoi ça servait, mais... Un peu quand même! C'est une blague. C'est pas sérieux. Putain, je suis trop nul. Aïe, 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 aïe. Super, vous allez me payer, sale marmotte. On recommence. On a toujours le tableau? Comment on sait si on a le tableau? Ouais, on a le tableau. Sale gueule, saloperie de merde. Ouf. Oh, il y a des petits poissons. J'aime bien les petits poissons. Encore des bananes. À droite, il y a un passage, on verra ça plus tard. Tiens, il y a une maison. Ah, bah c'est le labo de cran. Il y avait écrit dessus. Ouais, bon, c'est un vieux pépé, quoi. J'ai préparé une autre potion Donkey aléatoire pour 3 pièces. T'arriveras à rien sans elle, alors paix. Ok. Plastobimbon. D'accord. Donc il va trouver que ça pue, il va avancer derrière. Je le connais déjà par cœur. Tu peux emprunter les parcours tonneau-tonnerre. Trouve un socle avec ta sale trogne dessus et appuie sur Z pour t'éjecter dans un tonneau. Appuie sur Z pour te propulser. Pas de potion pour toi avant le prochain niveau, ok. Au revoir. Parfait. Là. Quand même, c'est pas trop tôt. Je suis vraiment nul. C'est pas possible. Oh, un autre donneur de tableau. Blague, on peut pas monter.
Ouais, moi que j'arrête de faire les duos. Là, du coup, là-bas non plus, on pourra pas monter. Logiquement. Pourquoi il y a un rhinocéros? Je pensais que c'était un jeu de singes, moi, pas de rhino. Aïe aïe aïe. Si vous ne riez pas à mes blagues, c'est normal parce qu'elles ne sont pas drôles. Ouais, donc ça c'est pour Didier, logique. Logiquement plutôt. Putain, mais c'est une blague. Mais la liane! Prends la liane! C'est pas trop tôt. Putain, mais c'est une blague. J'en ai vraiment marre de lui. De ce singe de nul. Mais c'est même pas marché droit! Et là, il a raté la pièce. Ah bah non, là, il l'a eu. Évidemment, je me trompe de bouton à chaque fois. Bon, donc on va prendre Didi, peut-être. Ce sera peut-être mieux. Peut-être. Peut-être. Alors, c'est où qu'on peut changer de singe? Ah, ça va être là-dedans. Qu'il y a un nom. Ça trogne dessus. Ouais, Donkey Kong. Didi Kong. Quack, bonjour Didi, la sonde banane d'or. Pour toi dans les environs, on trouvait toutes. Quack, ouais, c'est ça. On va essayer, si vous pouvez bouger. Bon alors là, il y a le gros mec méchant, bizarre, chelou pour lui. Il dirait qu'il y a des bananes pour Didi là. Ah ah. Peut-être dans l'autre touffe aussi. Je suis trop intelligent. C'est une blague, hein. Non, parce que si moi j'étais trop intelligent... Ouais. Comment vous seriez? Vous seriez un Einstein en fait, c'est tout. C'est une blague, il meurt quand? Ah bah c'est pas trop tôt. Ouais, le tableau. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il faut en faire du tableau. Faudrait que j'aille dans... que j'explore, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bien la marmotte. T'arriveras jamais à me rattraper. Oh oh! Je suis trop un génie. C'est totalement faux. Oh, il y a encore des bananes là. Ah, là, c'est jaune. Super, j'adore. Ah, et là, il y en a aussi. Je déteste les guêpes. En vrai aussi. Je sais pas, il y a des lianes alors. Je les prends. Oh, il y a des trucs pour Donkey. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour, on est là pour t'aider. Mais il y a comme qui dirait un problème. Je voudrais toucher la clé au-dessus de ma tête, mais j'ai bouffé comme un barbare. Si tu me donnes à manger à mon pote Scoff, il résoudra sûrement mon problème de poids. Alors amène donc tes jolies bananes. Tiens-toi sur le socle et on verra ce qu'on peut faire. Ah, donc ça sert à ça, les bananes. Ok. Ouais, ouf, on peut monter. Ouais, mais il est vraiment énorme. Regardez ça. Regardez comme je suis petit par rapport à lui. Moi je fais 1 pixel et lui il en fait 12 mégas. Aïe aïe aïe. Bon allez, faut que j'arrête de dire n'importe quoi moi. D'accord, c'est logique. Bon, on va prendre Donkey. Ah, et le nombre qu'il faut c'est indiqué là, ok. Bon bah c'est largement bon alors. Et là, il tourne la clé. Vous voyez? Je suis en devant. C'est absolument fou. Aouh.
On y va? En fait, je pose la question, mais là, je vous demande pas votre avis. Parce que j'y vais. C'est rassurant. Très rassurant. Attends, je n'y vois rien. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est nul. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Ah! Ah, d'accord, normalement, je pensais pas ça comme ça. On l'a vu dans l'entraînement. Comment prendre un tonneau et le balancer. Ouais, donc c'est ça, ça va lui créer le cerveau. Parfait. Ensuite, il fait quoi? Ah, il veut nous rouler dessus. Ce serait bien de s'en aller? Non, parce que c'est pas pour dire, mais j'ai pas très envie de mourir maintenant, quoi. Ok. Pas doué à vie. Si vous faites attention à la musique, elle est bien. Bon, enfin, c'est bouchon, mais... Il aime bien exploser le tonneau. Hein. Ouf. Mais c'est une blague. Mais non. Il me reste une pastèque, mec. Bien fait. En fait, c'est un tatou, là. Version mécanique. Ah, bah on dirait qu'il est mieux. Ah ah. C'est ridicule. Ah, mais c'est une grosse fée. C'était Calumcy, là, je crois, le gros crocodile bizarre gentil qui nous en a parlé de ces grosses clés. Faudrait que j'aille lui rendre un jour. Vark, bien joué. Donc Kong, on dirait bien l'une des clés de la cage de Calumcy, c'est ça. Donc j'ai toujours raison. C'est la leçon qu'il faut retenir. C'est une blague. Évidemment. Ah, c'était ça le bruit bizarre. Bon. Oh, on a 10 oranges. On va pas faire que ça hein, dans la vidéo parce que sinon ce serait pas très intéressant. Sauf si ça vous intéresse, c'est juste ça. Mais... Bizarrement, je pense pas. Super, c'était pour Didi. Voilà, Didi. Voilà. Pourquoi il y a des... Ah, ça a l'air d'être pour Donkey Kong. On s'en va. Ouf. Super. Attends, il y avait des trucs là-bas. Je suis peut-être bête, mais j'ai l'œil. Oh, des pièces. Non, je vais prendre la troisième. C'est vraiment pas pratique de nager dans ce jeu. Après, ok, ça va vite. Mais c'est quand même pas pratique. Ok, donc on va pas s'arrêter sur les points d'interrogation, vu qu'on sait pas ce que c'est. Je pense que c'est d'autres singes, mais je ne sais pas. Je vais vraiment pas dormir.
C'est lamentable. On prend les pièces et on s'éjecte avec Z. Boum. Au revoir. Ah, on est vraiment dans les nuages. Au-dessus des nuages. D'accord. Ouf, j'ai pris une banane. Ça sert à rien de les prendre, je sais. Mais... je suis maniaque, j'aime bien que tout se décolle. C'est une blague, je l'ai raté. Mais je suis tellement pas douée. Allez, on le relance. Au revoir. Il a fait salut, au revoir. Bon, sinon c'est pas très compliqué. Et quand je dis ça, je perds. C'est une blague. Ah mais je veux l'avoir, cette banane d'or. C'est une banane super facile. Facile à avoir. Mais j'y arrive pas. C'est sérieux. Je sais pas pourquoi. J'en ai marre. Bon, on va y aller plus lentement. Le mec dit ça, mais il ne change absolument rien. Cinquième fois, je crois. J'ai cru que j'avais raté. Oui. Non. Une fois je passe en dessous, une fois je passe au-dessus. Mais c'est une blague, mais... oh, j'en ai tellement marre. Je pensais que c'était pas un jeu rageant. Mais si! Là, on va doucement. Ah bah, c'est pas trop tôt. Vu que c'était pas trop tôt, ça veut dire que c'était long. Ce qui est bien mon avis. Ah oui, tiens, c'est vrai, il y a ce truc bizarre. Appuie sur Z pour t'envoler vers l'arène de bataille de Karoul. Bah, c'est pas beau pour gagner une couronne. Ouais, j'ai envie d'être le roi. Allez. On va tous les défoncer. Casse-castor. Ah mais j'en prends la couronne en plus. Hé, maintenant on est le roi du jeu. Enfin, je suis le roi plutôt. Je dis on parce que... je... voilà. Hein. Ne jugez pas s'il vous plaît. Et ne vous désabonnez pas non plus. Ouais, montre. Y'a un truc là-haut. Non. Oh, y'a des bananes. J'ai failli dire des baleines. Mais non, c'est pas trop des baleines. C'est que ça. Ah oui, j'ai 75 bananes. Et qu'est-ce que ça fait si on entre là-dedans ? QG de Sneed. Ok, donc c'est un renard. Bonjour à toi, Sneed c'est mon nom. La vengeance, ma passion.
sais-tu que Carole travaille sur une machine du nom de Blastomatic pour bousiller ton île? J'en étais le chef de projet, mais le gros lézard m'a viré parce qu'il me faisait pas confiance. Tu le crois, ça? Je vais t'aider à rater la machine. Mais il me faut les plans originaux. Ah, donc c'est pas des tableaux. Il les a donnés, pardon, à de gros pabots. Alors fais attention, pour chaque partie de plan que tu me donneras, je t'offrirai une des bananes d'or que Carole a volées dans ta réserve. Pas de plan, pas de banane, c'est comme ça et puis c'est tout. Formidable singe, tu as mon premier plan. Voilà une bonne banane. Ouais, cool. Ok. D'accord, la logique du mec. C'est quoi ça? Ah, c'est la banane. Super! J'en ai 5! J'adore. Bon, on va avoir les plans. Ah ouais, il y en a pas mal quand même. Ok. Bon, on va sortir et on va donner celui de Didi aussi. Voilà, Didi, c'est ça. C'est bien. Bon boulot, le singe, voilà une banane d'or pour toi. J'ai pas réussi à lire. Super intéressant. Ah! Donc j'ai 6 bananes d'or maintenant, ça avance, ça avance. Ça avance. Oui, 6. Oui. Et avec moi? D'accord, donc pour l'instant on n'en sait absolument rien. J'adore. Ah oui, c'est vrai, faut que je m'achète un flingue. Bon, donc on va juste récupérer les petites pièces que j'ai vues ici. Bouh! Oui. Après, on va aller s'acheter un petit flingue. Des casse-noisettes. Je dis n'importe quoi. Faut pas s'inquiéter. Je suis fou. C'est normal. Bon, c'est quand même un peu bizarre ces maisons qui s'ouvrent. Kaweto flingue. D'accord. Cool, des livres à la bécane pour dégainer ou ranger ton flingue, je sais. Ok. Désolé, je dois aussi sur la prochaine bécane. Ciao! C'est parfait. Mais il lance vraiment des cacahuètes, hein. J'ai juste envie de m'amuser un peu. Ah, c'est la caméra. Donc on voit le soleil à travers les montagnes. La logique de ce jeu. Oh, mais il y a une entrée là-haut. Qu'est-ce que ça fait que ce truc? Ah, c'est pas bête. Bon, et bah, pour bien vous emmerder, on va rester là et on va se dire à la prochaine pour découvrir ce que c'est que cette tour chelou bizarre.